On ne peut pas faire ça, Pierre, Star Academy, revient sur la folle surprise de Dajou pendant la finale. Lors de la finale de la Star Academy, Pierre a pu chanter son single Ce qu'on était grâce à l'intervention de Dajou. Au cours d'un documentaire diffusé samedi 10 février sur TF1, le jeune chanteur est revenu sur ce moment très émouvant. Le 4 novembre dernier, les téléspectateurs découvraient le visage des 13 nouveaux académiciens de la 11e saison, Lola, Djibril, Clara, Lenny, Louis, Candice, Pierre, Elena, Margot, Victorien, Julien et Marie-Maude. Après 12 semaines passées au château de Damary-les-Lys, c'est finalement Pierre qui a remporté la compétition. Quelques jours seulement après la fin de la Star Academy, le jeune chanteur a sorti son premier single baptisé « Ce qu'on était ». Merci tout le monde, si est fou l'accueil que vous avez fait à ma chanson. Je suis très content de ce qu'il se passe, a-t-il confié sur Instagram après l'accueil enthousiaste du public. Pierre a néanmoins évoqué la réaction mitigée de certains de ses fans déçus par la version studio du single. Si est-il normal que vous soyez un peu perdu parce que ça change, mais moi en tout cas, j'adore cette version, a-t-il affirmé. Pierre se confie sur son duo avec Dajou lors de la finale. Samedi 10 février, TF1 a diffusé un reportage baptisé Star Academy, après la vie au château. Au cours de l'émission, Pierre est notamment revenu sur le cadeau de Dajou lors de la finale. Le chanteur a en effet surpris l'académicien en lui demandant de chanter une autre chanson que celle prévue initialement. Pierre a ainsi pu interpréter son single Ce qu'on était pour la première fois devant plus de 4 millions de téléspectateurs. Dajou commence la chanson, j'essaye de me mettre dedans et tout, je démarre. Dans ma tête je me suis dit j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas le moment de couper, c'est du direct il faut y aller, je ne comprends pas trop, s'est-il souvenu. Et moi je fais mais attends, on ne peut pas faire ça. Je suis paniqué en plus, a expliqué le chanteur. Voir les gens chanter ma chanson que je pensais que personne connaissait, c'est juste oh, tu réalises pas forcément mais tu te dis ouais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est fou, c'est ça la vie qu'on a envie d'avoir, a-t-il ajouté. Un beau moment.